Toc. Nickel. Bon, bah, on va repartir. On va repartir sur ce jeu. J'ai pas regardé combien de fate j'avais, merde. Combien de fate j'ai? 18. Ah oui, donc c'est ça. Attends, j'en ai compté 20. Non, j'en ai pas compté 20. Non, 18, pardon, c'était ça, 18. 7 heures de jeu, 18 fate, putain. Bon, de toute façon, ça sera de plus en plus simple, puisque moins il y aura de fate, moins il y aura de personnages possibles, plus ça sera facile, en théorie. Ça, c'est la théorie, quoi. Bien. Donc on en était vers la fin. On en était complètement vers la fin. Escape. On avait. Alors lui, on a. Hypothétisé qu'il était poisonné. Empoisonné. Lui. Ah oui, attendez, j'avais tout marqué sur mon petit livre là. Truc. Alors la fin, c'est le mec partie 2. Donc celui-là, le killer, le tueur de lui là, c'est lui. C'est celui qui a été tué là. Okay. Ensuite, partie 4. Lui, il a tué. Lui, il a tué lui. Et celui qui a tué lui, c'est lui. Ouais, c'est ça. Ok. Et après, du coup, on a le partie 6, du coup, c'est bon. Et après, on a les deux femmes là qui sont. Les quatre, pardon, qui sont parties sur un bateau. Et on sait pas qui c'est. Enfin, on sait pas où ils sont. Et donc maintenant, on peut finir avec The End. Alors, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'informations à donner ici. Mis à part qu'en fait, il reste que quelques personnes là. Voyez, il y a marqué là dans les one. Ça, c'est ceux qui meurent à la fin en fait. Et je les ai déjà. Alors lui, non, on sait pas, du coup. Mais ça, c'est ceux qui meurent à la fin. Ok. Y a rien. Et après, là, c'est Abigail. Donc en fait là il reste que 4 personnes en fait. À The End, il reste que 4 personnes. Donc quoi? Dont le capitaine, donc c'est le numéro 1. William Oscute, c'est le numéro 2, je crois. Lui, je sais pas qui c'est, et lui, on sait pas qui c'est. Juste, je vérifie. C'est ça. Il nous reste un, deux. Et deux autres personnes, et on sait pas qui c'est. Qui sont morts, du coup, à la fin. Un, deux, et deux autres. Ok? Bon. Ça veut dire. Alors là, du coup, on va essayer de faire un truc. On va essayer de prendre chaque chapitre, un par un, et on va essayer de compter le nombre de personnes qu'il y a de vivants à chaque chapitre. Enfin, sur le bateau en tout cas, à chaque chapitre.
Ok, on va essayer de faire ça. Donc par exemple, chapitre 1. Au début du chapitre 1, bah tout le monde est vivant. Ok. Donc 60 personnes. Ok. Au début. Et donc à la fin, il y a lui qui meurt. Donc ça, c'est le 60. C'est le 60e, comme enfin le premier qui meurt, c'est le dernier de la liste, je crois. Hein. C'est quand même un comble. Et le dernier qui meurt, c'est le premier de la liste. C'est quand même vachement bien foutu. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Donc le premier qui meurt, c'est le 60e. Et le deuxième, bah en fait, lui, il n'était pas sur le bateau de base. Donc on s'en fout en fait. Donc en fait, il n'y a qu'une seule personne qui est morte. Il n'y a que le 60 qui est mort en premier. Ok? Ensuite, deuxième partie. Donc deuxième partie, on commence avec 59, hein, logiquement. Enfin, en fait, il faudrait que je compte les parties indépendamment, non? Je sais pas. On verra peut-être dans le détail plus tard. Donc là, apparemment, il y a trois morts. Lui, et... Non, ça, c'est pas un mort. Ah, y a trois parties, en fait. Il n'y a pas trois morts. 1, 2. Je sais pas. Ok, donc c'est Solomon et Rayub. Donc, il y a deux morts. Donc on passe à 57. Solomon et Rayub, c'est quoi leur numéro? Solomon, c'est... Alors... Solomon 54 et Rayub 51. Donc c'est 54 et 51. Dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est d'abord 54 et ensuite c'est 51. Ok? Ensuite... Le troisième. Donc là, on a trois meurtres. Lui et lui. Donc on passe à 54. Et donc on a Nunzio Pasqua qui est mort en premier. Et le mec qui est pendu. C'est lui. Donc 26, mais on a voilà, 20, 26 et on ne sait pas. Donc d'abord 20, ensuite 26, et ensuite, bah on ne sait pas qui est mort. On ne sait pas le troisième. Lui, on ne sait pas qui c'est. Ok. Ensuite, The Calling. Donc ça, c'est chapitre 4. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est suite. On a 6 plus 2. C'est ça. Donc là, on a 8 personnes qui sont parties, qui sont plus sur le bateau. Donc. Ça nous fait 46. Et dans l'ordre. Dans l'ordre, on a quoi? On a lui, on sait pas qui c'est. Lui, on sait pas qui c'est. Lui, on sait pas qui c'est. Elle, on sait qui c'est. Donc attendez, on a. Trois personnes, on ne sait pas qui c'est. 1, 2, 3. Elle, on sait qui c'est. Lui aussi. Et lui aussi.
Donc on a Sia, Lim, Sia et Nichols. Lim, Sia et Nichols. Et donc... Lim, 23, Sia, 24 et Nichols, 3. 23, 24, 3. Ok. Donc, 23, 24, 3. Et ensuite, on a deux disparus qui sont a priori morts par le... qui sont a priori noyés par les bestiaux. Les bestioles. Ok. Donc, ce qui nous donne chapitre 5, on est avec 46 personnes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est tout. Il y a 5 morts. Donc, on arrive à 39. Non, n'importe quoi. On arrive à 41. Je ne sais pas compter. Et donc, qui est mort? Donc, Shotan. Et tous les autres, on ne sait pas. Ok. Et Shotan, c'est... C'est 25. 25. 1. 2. 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ensuite on arrive. Donc chapitre 5, 6, pardon, on arrive à 41. Donc ensuite, chapitre 6, donc ça c'est le les hommes araignées là. Donc a priori on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 morts, ce qui nous donnerait 32. Pour la partie 7. Alors. Donc lui, on sait pas qui c'est. Lui, c'est Nicolas. Marcus. James. On sait pas. Charles. On sait pas. On sait pas. Et Winston. Alors attends. Nicolas. Donc ça, c'est partie 2. Nicolas. Marcus, James, ensuite on sait pas, Charles, on sait pas, on sait pas, Winston. Alors comment je vais? Salut Sims, hello. Alors Charles, c'est 35. On avait dit quoi? Putain, je sais plus. Nicolas, c'est 42. Donc ça, c'est le deuxième mort, je crois. Ok, donc 42, effectivement. Ensuite, Marcus, James. Donc, Marcus. James et Winston, c'est ah, Marcus, James, Winston, ok. Donc 11, 9, 11, 9, rien, c'est ça, hein? Attends. Attends, et on a dit combien? Oh, James, 9, 11, 9 et 10, pardon, 10 pour Winston, ok, 10 pour Winston, donc attends. Toc. Rien, enfin on sait pas, 42,
11, 9, on sait pas. Charles, c'est... Je sais plus. Et après, on sait pas, on sait pas. Winston. Donc ça, on sait pas. Charles, on sait pas. On sait pas. Winston. Et Winston, c'est le 10. On revient. Salut Polo. Hello. Bienvenue à toi. Charles, c'est quoi déjà? 35. Et on a dit qu'il était ouf. Après un trou. Donc là, ouais, c'est ça, 35. 35, on sait pas. On sait pas. Et 10. Ok. The Doom. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, a priori. Je vais compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. 16 morts. Ce qui nous reste avec 32. Ce qui nous reste avec 16 vivants pour le chapitre 8, qu'on ne sait pas du coup. Le chapitre 8, on n'a pas accès. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Lars et Edward Spratt. Ok, donc Lars. Lars et le dessinateur quoi. Lars 49 et 18. Ok. Hop, 49 et 18. Ensuite, on sait pas. On sait pas, on sait pas. On sait pas, on sait pas, on sait pas. Je sais pas si c'est vraiment ça, ça. Si vraiment ça joue vraiment le fait que je mette tous les noms de chaque personne en fait. Donc ça, on sait pas. Et donc on arrive à l'escape avec au moins 12 personnes. 13 d'ailleurs, puisqu'il y a lui du coup qui est mort. 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, 8, bah on sait pas. Mais on a au moins 12. Et sur les 12, il y en a 8 qui meurent. Ça colle ou pas? Ouais, puisqu'à la fin, il reste 4 personnes. Donc là, on en a 8. Donc on en a 12 en fait. Et du coup... On passe à 4. Donc là, il y a 4 morts. Dans le chapitre qu'on sait pas ce qui s'est passé, il y a 4 morts. Ah non, il y en a au moins 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, oulala.
Donc il y en a au moins 13 et il y a eu 10 morts. Et on arrive à 4. Donc il y avait 14. Parce qu'après il y a moins 10 là. Entre les deux, il y a moins 10. Ici. Ok, bon, je sais pas si ça sert à grand chose, mais au moins on sait combien il y a eu de morts à chaque étape. Donc là, en gros, il y a un mort, deux morts, trois morts, huit morts, cinq morts, neuf morts, 16 morts, a priori, deux morts. Et là, 10 morts. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder les lits. Les fameux lits. Pour savoir qui est vivant et qui n'est pas vivant, machin, etc. Donc, on l'a dit. Deuxième chapitre, il y a eu deux morts. Est-ce que les deux morts, on les connaît? Alors, attendez. Premier, c'est tout bon, je crois. On a tout. Ok. Deuxième chapitre, je crois aussi, on a tout. Sauf. Non, on a tout aussi. Donc tout est good. Donc là en fait on arrive au niveau 3 avec que des gens qu'on connaît et on est sûr, enfin que on est sûr que les gens qui sont morts on les connaît quoi. Et là il y a un premier problème, c'est que on a la première personne qu'on sait pas qui c'est qui est mort. Mais vu qu'on sait qui est vivant dans la partie d'après. Dans la partie 6 d'ailleurs, même plus loin. Ouais. Et ben on peut éliminer. On peut éliminer des trucs. Comment je vais m'organiser moi avec tous mes trucs? Par exemple. Je vous montre en gros. Lui là, il est mort chapitre 3, ok? Et chapitre 6, chapitre 7, pardon, le Kraken. On a accès au lit et on peut voir qui dorment dans les lits. Alors après, c'est possible qu'il y ait des gens qui dorment pas dans leur lit. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Mais bref. Donc là, par exemple, on peut déduire que lui, ce n'est pas le 43, ni le 44, ni le 45, ni le 56, ni le 57. Voilà. Et attends, mais le croix là, j'ai dit qui c'était déjà, non? Ah non, c'est un des deux. D'accord. Et au final, on n'a toujours pas trouvé le mec au tatouage. Le mec au tatouage, quoi. Le cook. Il y a une. Il y a un chapitre où on voit pas cuisiner, mais on voit il va apporter de la bouffe à des gens. Je sais pas si c'est lui du coup. Ah bah c'est quand le Kraken arrive. C'est juste là. Bah, attendez, je peux. On peut y aller.
Et vous voyez, et donc là, c'est là où on a toutes les infos en fait du. Des lits. Parce que là, on voit 56. La musique, calme-toi, s'il te plaît. Oh là là. Alors là, on a un truc, mais il est pas dedans là. Donc 57, j'ai rien mis. Mais non, 57 est pas vivant. Ah, bon, peut-être qu'il. Enfin, il est pas dans le lit en tout cas. Est-ce que lui c'est le cook ou bien? Sachant que ça a l'air d'être là la cuisine. Si je fais ça. Ah, il n'y a pas marqué. Ouais. Bon. Ouais, je sais pas trop par quoi continuer là. On a quoi en termes là, donc lui poisonné, ça on est sûr. Bah, on n'est pas sûr qu'il est empoisonné, mais visiblement c'est ce qu'il est quoi. Le surgent, bah en fait, eux là, on sait pas en fait s'ils sont vivants ou pas, ou où ils sont exactement, ou tu vois. Je sais pas si c'est possible de savoir ça. Paul, bah on sait pas si vraiment c'est vraiment Paul ou un autre. Mais en tout cas, elle prononce, y a une fille qui prononce son nom. Lui, il s'est fait tuer du coup par le mec, nanana. Unknown. Ah bah lui, il s'est barré du coup. Lui, du coup, a été poignardé. C'est le mec à la fin qui est mort par le mec, justement. Bon, et je pense, j'ai quand même des gros doutes, mais je pense que les mecs qui restent à la fin, là, c'est dans les premiers, quoi. C'est quoi Butcher déjà? Ah, je peux pas, je sais pas ce que c'est Butcher. Bah, je sais que ça veut dire boucher, mais je veux dire en termes de bateau, peut-être ça veut dire un truc particulier. Et Purser, on avait dit quoi? Okay. C'est responsable office quoi. Alright, et attends, et du coup. Main deck. Ok. 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 Ouais, mais je sais pas quoi faire de ces infos, quoi. Genre, y'a pas un mec qui a une toque pour dire que bah c'est le médecin, c'est le cuisinier, et puis voilà, genre. Ah, ou alors, attendez, c'est peut-être lui le.
Ah non, lui, il tient le. Il tient le gouvernail. Donc ça serait du coup un Elsman. Je sais pas. Bon, les deux, ça on sait. 21-22, on sait qui c'est. Enfin, c'est on sait pas exactement, mais on. C'est les deux filles, quoi. Mais je sais pas qui est qui, quoi, c'est ce que je veux dire. Philippe Dall, le Captain Stewart, je pense que c'est un des mecs qui reste à la fin. C'est horrible. Là, je j'ai pas trop d'indices sur, sur quoi. Enfin, qu'est-ce que je dois faire. Bon, alors après, je peux faire du délit de faciès et dire que bah les Asiates, ils sont asiatiques, quoi. Genre, je sais pas, lui. Eux deux là, ça ressemble quand même à des Asiates. Et en plus, ils sont accrochés sur des. Et c'est censé être des top man. Donc c'est eux qui gèrent la voile et tout. Mais bon, il y en a quatre, hein, donc après, je sais pas qui est qui. Mais voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. No. Attends, quoi? Ah oui, donc lui c'est. Bah c'est Wolf lui. C'est obligé parce que c'est lui qui donne l'ordre au truc d'attaquer, donc c'est forcément lui, hein. Et il est mort blasted avec canon, ah oui, c'est vrai. Ok. Est-ce qu'on se refait, toutes les scènes une par une dans l'ordre chronologique? Maintenant qu'on a un peu plus d'infos sur les gens, je sais pas. Parce que là, je vous avoue, je sais pas trop quoi faire. On va essayer de choper celui qui a le tatouage là, mais bon. Bon, en vrai, le chapitre 1, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le faire? C'est ça le Lazarette là? Non, c'est pas ça. C'est ça le Lazaret. Il y a sûrement des trucs derrière, mais bon. Bon, est-ce que le chapitre 1, vraiment, il y a besoin de faire des trucs? Non. Il n'y a qu'une personne qui est morte, et c'est lui. Et le seul moment où c'est répercuté, c'est... c'est Ozette, quoi. C'est lui. Bah, c'est à ce moment-là. Non, c'est pas à ce moment-là du tout. C'est... quand il fait... Oh, tu as tué... Voilà, bah c'est lui. Non, pas du tout. C'est l'escape, justement. Ça, c'est quand ils sont sur le bateau. Nanana. Du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie de choper celui qui a le tatouage. Mais bon, ça ne fait qu'une personne, quoi. C'est quoi le mec qui a le tatouage? C'est un quoi? C'est un Topman, Scotland. Pardon. On peut tenter.
Bras droit, bras droit, bras droit. Ouais, bah, moi, ils ont tous ce truc quand même. Alors, il y a aussi un truc qu'on peut faire, c'est. Bah, déjà, tous ceux qui sont en bas là, ça peut pas être des. On est d'accord que tous ceux qui sont en bas, ça peut pas être des top man, quoi, c'est ça que je veux dire. Et ça m'étonnerait que ça soit des lieutenants aussi, quoi. You know? Sachant que celui qui est mort, c'est un Seaman. Oui, oui, donc c'est ça, en fait. Alors, lui, du coup, c'est un des... Ah, et lui, on sait qui c'est déjà, de base. Ok. Mais du coup, c'est compliqué, alors. Pardon. Bouge-toi de là. Par exemple, lui, c'est un Seaman. Ça peut pas être... Ça, si, ça peut être enfin, pour moi, c'est forcément un Seaman. S'il est là, je pense que c'est parce que c'est un Seaman. Tous ceux qui sont en bas, là, c'est des Seaman, je pense. Donc, allez, on va dire. Lui, c'est un Seaman. Ok. Lui, c'est un Seaman aussi, on va dire. Ok. Lui, c'est un Seaman. Lui, c'est un Seaman. Ah, après, ils peuvent être quoi? Ah bah, lui, c'est... On sait qui c'est déjà. Ok. Et lui, du coup... C'est un Seaman aussi, c'est l'autre qui est... Ah, c'est les deux qui sont morts, d'accord. Donc voilà. Là, on sait que tous ceux qui sont là, c'est des Seaman. Alors après, il y en a d'autres en haut, là, et ça, par contre, je sais... Merde. Les autres en haut, je sais pas. Alors lui, on sait qui c'est, du coup. C'est un Seaman aussi. Ok. Lui, est-ce qu'il y a moyen de le choper ou pas? Ouais. De toute façon, en vrai, je pense que c'est un Seaman aussi, du coup, mais je peux pas le... Et les mecs tout en haut, justement, on sait pas trop. Bon, bref. Ok, bon là, au moins, on a dit que c'était des Seaman ou pas. Ça nous avance un peu, quoi. Parce que peut-être que pour les prochains trucs, on verra. Alors là, ce que je peux faire éventuellement, c'est faire ça. Mais ça reviendrait au même, puisque c'est la même scène, en fait. C'est strictement la même scène. No. Donc on s'en fout. Ok, on a toutes les infos dont on a besoin. Trop cool. Chapitre 2. La vache. Bon appétit. Lui, ça, c'est le chirurgien, ça, c'est le soeur jeune, on sait. Ah non, en fait, on ne sait pas. C'est même pas validé, ça.
On a juste validé le Carpenter, mais du coup, pourquoi on avait dit que c'était sur John? Ah oui, parce qu'il avait sorti le... Parce qu'il était à côté du lit et tout, là. Et donc, du coup, on a peut-être le surgeon mate. Ça me dit quelque chose. Il me semble qu'on l'avait trouvé. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, donc on est quasiment sûr que c'est surgeon parce qu'ils étaient ensemble, en fait. Ils étaient à côté et ils faisaient un truc, je sais plus trop. Bref. Ah, mais attends, peut-être depuis tard, je peux... baisser un peu chez moi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Lui, on sait qui c'est. C'est Charlie. C'est un midshipman. Donc, il y a fort à parier que les autres soient du même rang. Il y en a combien des midshipman? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il hein. Y en a 3. Et on a dit quoi? Le midshipman, c'est celui qui est responsable de... In training, order to learn ship operation, ok. Ah ouais, donc... ok, donc si lui c'est le mec qui apprend, les 3 autres ce sont des gens qui connaissent déjà. Alors, est-ce qu'on a un truc sur lui? Ah bah on sait déjà qui c'est Henri... Ah, c'est Henri Brennan, ok. Donc ça d'accord. Lui, exploded. Du coup, bah je sais pas, ça va être un... Et lui c'est quoi? Est-ce qu'il y a un des deux, c'est le pur... Ah non, c'est lequel qui s'occupe des animaux? Non, c'est pas lui. Ouais, donc c'est pas des top man, de toute façon. M-Sman, c'est le mec qui conduit, ok. Bon. Ouais, je comprends pas la différence entre Steward et Mate. Mais bon. Ok, donc là, je sais pas trop quoi en dire de ces gens. Est-ce qu'il a un putain de tatouage, là? Ah, j'ai pas regardé les tatouages, je crois, tout à l'heure, non? Ok, je vais essayer de faire gaffe. Non, c'est pas eux. Main droite, s'il te plaît. Putain. Bah, c'est celle-là, la main droite, je suis un mongol. Enfin, de toute façon, lui, on sait à peu près qui c'est. Et là, on peut pas monter. Et lui, alors, lui, c'est qui déjà? Ah, bah, c'est le mec malade. Ok. Lui, c'est qui? Ah, bah, c'est l'autre. C'est le pote. Ok, et lui? Bah c'est lui du coup. Ah non, c'est lui qu'on avait vu, ok. Donc je pense que voilà, les 4 là ce sont les Indiens. Il y en a combien? Alors on a le Ship Steward. Mais sinon, il nous en reste 2. Sachant que, bah sur les 2 on en a 2 en fait. Donc c'est les 2, c'est les 2 qui restent. Et donc les Indiens, c'est quoi? C'est des Seaman. Donc, bah, j'ai envie de dire Unknown Seaman. Et lui, Unknown Seaman aussi. Du coup, ça nous fait combien de Unknown Seaman? Parce qu'on sait pas trop, du coup. Ok. Ah du coup je peux passer au truc d'après. Ok. Donc lui c'est le mec malade. C'est le mec qui était dans les bras, enfin machin, ok. Du coup lui, je sais pas qui c'est. Lui, bah c'est le Surgeon Mate. Ok. Et du coup, c'est qui est avec le...
D'accord, gradé, il a un chapeau et tout. Ça c'est les potes ça, donc ça c'est l'autre, ouais, ok. Ça c'est le mec qui va tomber maintenant, ça c'est le X. Et du coup ça c'est... Oui c'est ça, lui c'est l'autre, c'est le dernier, c'est lui. Lui là. Ok. Donc on sait tous qui sont ces gens. J'ai pas raté d'autres trucs ici par hasard, non? Est-ce que là on peut voir un peu les lits? Non, là c'est les lits, c'est pas les bruits ça. Ok, bon, on le met ça. Voilà, donc lui c'est le premier. Ok. Et donc c'est là où on a vu le fameux tatouage. Sayad? Sayad Uto? Là. Donc ça c'est les Russes. Et les Russes, je crois que c'est que... Ah non, il y a un top man et après c'est que des... Ah ouais, donc en fait il y en a un des trois qui est un top man et les deux autres ce sont les six man, ok. Mais le problème c'est que je sais pas qui c'est. Ok, faut que je m'en souvienne du coup, mais je sais pas comment m'en souvenir. Ah, mais ça, lui, on est sûr que c'est un Seaman? C'est lui, c'est ça? Lui... Ah bah si j'avais mis Seaman, c'est qu'il était... Il était là tout à l'heure, je pense, du coup. Et lui... Lui, on sait pas que c'est un Seaman, et lui... En fait, du coup, il faudrait que dans les autres scènes où on les voit en haut en train de s'occuper des mâts, il faudrait que je les mette... Ok. Mais bon, il faut que je retienne que ce sont les deux Russes. Très bien. Et lui, c'est que celui qui est malade. Ok. Ok, donc chapitre 2, c'est bon. Enfin, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Quelle heure est-elle? Dans 10 minutes, je pense, je vais arrêter, comme ça va faire une heure. Et je vais reprendre un peu plus tard. Ok, donc ça c'est bon. Alright. Murder. Murder, murder. Et donc c'est tout en haut. Ouais, c'est lui. Bam, bam, bam. Hello. Je crois que je sais tous. On sait tous qui est qui là. Ça c'est Nicolas Pasco. Ça c'est Nichols. Pas grand chose à regarder en fait, puisqu'on sait, on connaît les trois personnes. Il y en avait que trois qui étaient présents donc.
connaît les trois, donc on s'en fout de cette scène en fait. Est-ce que je peux passer à la suivante? Non. Ok. Du coup, le deuxième, c'est le pendu, je crois. C'est ça. Alors là, ça va être intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde. Et le truc, c'est que... Donc eux deux, bah, c'est ceux qui sont sur les... Là, là. Bon, c'est des top man. Ouais, lui, il était en haut quand il est mort. Et lui, je sais plus. Lui, c'est forcément un top man. Oui, de toute façon, tous les Chinois, c'est des top man. Bref. Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'est un top man aussi, lui. Okay. Ça, c'est Wolf, on est quasi sûr. Mr. Wolf, when you are ready. Right, sir. Ready, men. Aim. Fire. Voilà, et donc on a vu qu'ils rataient tous. Je sais pas s'ils ont fait exprès. Mais tout le monde rate. Sauf un. Il y a qu'un seul qui arrive à viser, c'est lui. Et du coup, on sait pas qui c'est. Mais c'est lui qui le tue. Ok. Du coup, bon, de toute façon, tous ceux qui ont des chapeaux, ce sont des générales ou machin mon cul. Est-ce que je peux dire. Genre lui, par exemple, c'est un unknown officer. Lui, là, c'est un unknown, mais je sais déjà qui c'est lui. Lui, c'est un unknown, on sait qui c'est aussi. Lui, c'est un unknown... Non. Lui. C'est un unknown officer, a priori. Ça, c'est le capitaine. Lui, on sait qui c'est aussi, c'est le... Le bosun. Lui, a priori, c'est un officier aussi. Ok. Lui, c'est un des Chinois qui s'occupe du top man. Lui, c'est celui-là. Lui, c'est celui-là. Et lui, c'est celui-là. Donc ça, c'est les trois de la famille, en fait. C'est les trois personnes de la Formosa Royalty, là. Avec le mec qui est mort, justement. Et puis les autres, et bah on sait pas trop. Personne a le putain de tatouage. Ça, c'est l'artiste. Oh là là, c'est ouf. On voit le bras de plein de gens, mais on n'arrive pas à voir s'ils ont des tatouages. Main droite, on avait dit, hein. Bon, je regarde la main gauche au cas où, mais... Allez, lui, c'est une tapette. Je vais pas montrer un peu plus de... Genre comme lui, là. Donc lui, c'est pas le 37. Lui, c'est pas le 37. C'est pas le 37. Bon, ça semble être un Irlandais, le 37. Mais bon. Ok. S'arrêter là, je pense. Enfin, pour cette scène en tout cas. Et la dernière scène, c'est ah oui, c'est quand le mec il surprend du coup les autres à se barrer quoi en fait. Et il est mort du coup là-bas. C'est quand Nichols il se barre avec avec les autres. Ah non, c'est pas lui.
Non, c'est pas lui. Waouh, waouh. Hop, 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 hop. Je sais plus. Hop, c'est le troisième du coup. Ah oui, c'est celui où on retrouve que la jambe pendue. Ok. Salut. Badam. Et je comprends pas ça, pourquoi c'est quoi, c'est un cimène ça? Qu'est-ce qu'il faut ici? Je pense que c'est lui, hein. Ça, c'est le Earthman. Parce que là aussi, il est à côté du gouvernail, quoi. Donc, a priori, très suspicieux, quand même. Le tatouage! Putain, je l'avais pas vu! Putain, je l'avais pas vu! Ok, on en a combien là? Des guesses, on en a combien? Un. Deux. On a que deux. Putain. On a que deux, mais on est quasiment sûr. Putain, donc du coup, c'est bon, on sait qui est 37. On sait qui est 37. Donc ça, c'est fini, ça. On est sûr. À 100%. 37, on s'en fout de 37. Et ça, c'est bon, on sait aussi, ça, on s'en fout. Et 42 aussi, on sait qui c'est. Oui. 42, on a la confirmation. Après, 54 aussi, mais on s'en fout. Putain, mais c'est ouf, je l'avais pas vu la première fois. Donc là, en fait, il nous faut un truc pour tenter d'avoir les trois. Qu'est-ce qu'on peut déduire?
Alors, ce que je peux, ce qu'on peut tenter, c'est éventuellement, on fait, bah ouais, mais je sais pas trop comment dire de faire autrement. C'est que Henry Brennan, il est mort à la fin, lui, de 56. Il est mort au chapitre, au dernier chapitre. Non, il est pas mort au dernier chapitre. Mais en tout cas, il est mort par un officier. Donc après, on peut essayer de tryhard l'officier là pour voir si. Mais ça va être un peu de la merde. Bon. Mais on a trouvé le 37, donc c'est bien. Je pense que ouais, du coup on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour juste là. Je reprendrai un peu plus tard. Ok. Je reprendrai un peu plus tard tout ça, tout ça. Et puis voilà. Du coup. Je vous dis à tout à l'heure et passez bah à tout à l'heure. Ciao!